Le 27 juin 2019, Son Excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé plusieurs cérémonies. La cérémonie de pose de première pierre du dispatching de Yamoussoukro, le deuxième du pays, un outil ultra moderne qui permettra de moderniser le réseau électrique de notre pays. Ah oui, voilà, ça commence. Les cérémonies de mise sous tension à Oufouetteville, Boaké, et à Aodji, commune de Boaké. Pendant que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à Yamoussoukro, puis à Aodji et Oufouetteville, plusieurs membres du gouvernement étaient en mission dans les différentes régions du pays pour apporter la lumière aux populations. 23 localités réparties sur toute l'étendue du territoire s'étaient parées de leurs plus beaux atours pour des fêtes de la lumière dans l'hystérie collective et la liesse populaire. Pour apporter la bonne nouvelle aux populations ivoiriennes, les membres du gouvernement étaient accompagnés de membres du comité de direction de Côte d'Ivoire Énergie. Ces mises sous tension éclatées sur toute l'étendue du territoire national marquent la volonté du gouvernement ivoirien d'apporter l'électricité dans tous les ménages. La Côte d'Ivoire ambitionne d'électrifier tous les villages d'au moins 500 habitants à l'horizon 2020 et toutes les localités en 2025. Et pour réaliser ces objectifs, le gouvernement a mis en place des programmes tels le Programme National Électrification Rurale PRONER qui permettra d'électrifier tout le pays et le Programme Électricité pour Tous PEPT qui permettra de raccorder les populations ivoiriennes et de leur faire profiter du bien-être que procure l'électricité. Ces programmes donnent déjà des résultats visibles à travers le taux de couverture qui est passé de 33% en 2011 à 58% en 2018 et le taux d'accès qui est passé de 74% en 2011 à près de 90% en 2018. Rien que pour cette année 2019, près de 1000 villages sont prévus pour être électrifiés. Pour aller encore plus loin et accélérer cette politique d'accès à l'électricité, le gouvernement ivoirien a inscrit dans le volet électricité du programme social du gouvernement des mesures sociales dont la baisse de 20% sur le tarif social 5 ampères et la prise en charge des 1000 francs de souscription au PEPT. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.